Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce dédiée aux IGAS. Alors, je sais pas si on dit IGA, IGAS. Moi, je dis les IGAS. Alors, je suppose que vous avez dû, comme moi, tomber par hasard peut-être sur une pièce, deux pièces de cette armure. Et je m'étais mis des points de repère sur la map lorsque j'essayais de découvrir, parce que, en toute sincérité, c'est totalement par hasard. Et là, je viens de découvrir la troisième tanière des IGAS. Donc, j'ai rechargé ma sauvegarde et je voulais vous montrer où ça se trouvait. Alors. Donc, vous voyez, je me suis d'ailleurs mis un point. Alors, je vais dézoomer pour que vous puissiez placer vos marqueurs si vous en avez besoin. Donc, l'entrée se trouve ici. Voilà. Lorsque vous allez arriver, donc je vais faire marche arrière pour bien vous montrer. Il y aura bien évidemment deux IGAS, un plus costaud et l'autre un peu plus mince. Vous voyez lequel dont je veux parler. Donc, quand vous aurez fini ce combat, il faudra venir vous placer ici. Donc, je l'ai vu. Hop. En levant la tête. J'ai du mal à me placer avec ces trucs. Ah. Voilà. Et donc, on va s'extraire ici et on va aller libérer la couturière qui va me donner, moi en ce qui me concerne, la troisième pièce. Mais je vais vous montrer hein, où se trouvent les deux autres pièces. Donc, les gigas adorent kidnapper les couturiers et les couturières. À comprendre et les s'oblige à faire des leggings rouges et tout ça c'est très charmant. Donc c'est pas une armure que moi je vais porter, mais voilà, c'est du fan service que j'adore hein, moi évidemment j'adore les avoir dans mon inventaire, même si j'ai pas forcément la portée, je porte pas l'armure des ennemis. Donc voilà, je vous ai montré pour ce premier point. Et on va aller aux autres. Donc, je vous remontre une dernière fois. Hop. Moi, je vais retirer mon marqueur. Ah oui, que ma map est ultra, ultra chargée. Donc, on va aller au deuxième. Alors, je regarde. Bon, alors, il y en a un qui est tellement simple. Mais bon, on peut facilement passer à côté. Donc, je vais vous montrer, je ne vais pas me TP, je vais vous montrer où ça se trouve. C'est au laboratoire antique d'Akala. Alors, normalement, la quête vous y mène, mais c'est à l'étage supérieur. Donc, parfois, il se peut que ben on passe à côté. Donc, je ne vais pas y aller parce qu'au moment, il n'y a plus le coffre. Mais voilà, n'oubliez pas d'aller vérifier au-dessus. C'est là que vous allez trouver une pièce. La dernière pièce. Alors, la dernière pièce, pareil, hein, totalement par hasard. Ça se trouve dans la maison. Il me semble hein, que c'est. Parce que j'ai vraiment énormément de mal à me repérer. Mais c'est une maison qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la maison qu'on avait dans Breath of the Wild. Mais je pense pas que ce soit. Quoique. Il faudrait que je reprenne ma console. Je pense pas que ce soit exactement la même. Mais où, voilà, où le roi d'Hyrule était. Donc c'est ici. Je vous remontre encore une fois. C'est ici que vous allez trouver la troisième et dernière pièce. Bon, je retire mon tampon. On va aller voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse tenue? C'est fou, ça. Juste au corps. Bon, ça veut pas se mettre comme je veux. Bon, c'est pas grave. Ah, si, c'est là. Bon. Et c'est pas ce que je porterai pour l'aventure. Mais bon, voilà, c'est sympa. Je trouve que c'est un petit clin d'œil plutôt cool. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez bien. En tout cas, je m'étais mis des petits marqueurs pour pouvoir vous montrer la localisation des trois pièces. Et comme je viens de tomber sur la dernière, j'avais envie de le partager avec vous.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle solution. Bye bye les amis.